Bienvenue à un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Charlène Tanguay, qui est agente de bord conversation. On dirait qu'à chaque fois, je dis vraiment intéressante, mais je peux pas m'empêcher parce que on a parlé de son métier, c'est sûr, mais aussi, tu sais, nous, en tant que voyageurs, comment ça peut être différent d'être assis sur le banc versus debout en service. Oui, puis tu sais, elle nous a vraiment tout expliqué du moment où est-ce qu'elle commence son corps de travail jusqu'à la fin, comment que ça se passe. Mm. Et puis, elle nous a aussi dit un peu en primeur, surtout dans notre Patreon, là, comment qu'ils réagissent, eux, les agents de bord, face à différentes situations qui peuvent arriver. Donc, ça a vraiment été intéressant, comme on dit toujours. Là. Bonne écoute. Salut Charlène! Salut! Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, on est vraiment contente de t'avoir trouvé. T'es mon amie, là, je savais déjà. On s'est trouvé par oui, c'est ça, on s'est trouvé avant, mais vraiment contente de pouvoir avoir sur le podcast une agente de bord. C'est vraiment... Moi aussi, ça me fait plaisir, c'est une première expérience. On prend l'avion souvent, mais d'en savoir un peu plus sur ce métier-là, on est super intriguées, puis on a plein de questions. Tant mieux, ça me fait plaisir. Donc, est-ce que tu veux un peu nous parler de toi? T'es qui, Charlène? Oui, bien sûr. Bien, Charlène, en tout cas, moi, je suis née à Saint-Hyacinthe, sur la rive sud de Montréal. Ça fait des années que je voyage. J'ai commencé mon premier voyage backpack, j'avais environ 22 ans, puis j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir toute seule en backpack. J'écoutais toujours Vision Mondiale, savez-vous c'est quoi? Non. C'est une émission qui jouait quand j'étais petite, puis c'était un tournage en Afrique qui allait dans les orphelinats, puis tout ça, puis c'était vraiment TVA qui faisait ça. Puis là, j'avais 5 ans, là, puis j'écoutais ça religieusement. Puis mon premier voyage backpack, j'ai décidé d'aller au Sénégal toute seule, tu sais, pendant 2 mois à peu près. Puis là, mes parents, au début... À 22 ans. Oui, c'est ça. Au début, ça passait pas vraiment au conseil, mais finalement, avec le temps, ils se sont habitués. J'ai fait des belles connaissances, puis finalement, je me suis ramassée comme dans une famille que j'ai restée là pendant 3 semaines. Okay. Fait que ça a été ma première immersion, vraiment plus culturelle, puis aussi plus humanitaire. Mm-hmm. Quand je suis revenue après ça, j'ai été habiter 1 an en Australie. Okay. Puis, suite à ça, quand que je suis revenue au Québec, je me voyais pas faire une job du lundi au vendredi de 9 à 5 parce que je me disais, ben la routine, c'était un petit peu moins mon genre. Puis, j'ai toujours adoré le service à la clientèle. Puis, ma marraine, elle, ça faisait 32 ans qu'elle travaille pour la même compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui. Puis, elle m'a tellement tout le temps vanté cette compagnie-là en super bien que je me voyais pas non plus aller porter mon nom ailleurs. Fait que je me suis dit, ben je pourrais l'essayer, tu sais. Puis, elle est agent de bord aussi. Oui, elle est agent de bord aussi. Puis, c'est une personne qui a toujours été passionnée par son métier. Fait qu'elle m'a vraiment comme transmis ça. Ça a été super... Le processus, c'est super bien fait, là. Puis, je me voyais pas aller justement porter mon nom dans une autre compagnie parce que je me disais, tu sais, c'est familial, c'est quelque chose qui me représente plus aussi. Puis, quand j'ai été porter mon nom après ça, ben tout a juste déboulé puis c'est enclenché. Fait que depuis 2019, là, que je fais ce métier-là comme agent de bord. Puis, quand tu habitais en Australie, tu faisais quoi là-bas? J'avais ramassé mes sous pour m'acheter un van. OK. Mm-hmm. Fait que je faisais la cueillette des cerises à Yon. C'est la capitale de la cerise, là, donc un petit peu au nord de Sydney. J'ai fait ça pendant 9 mois là, à alterner le voyage et le travail. J'avais pris un visa vacances-travail à ce moment-là. Donc, c'est un trip que j'avais fait avec mon ancien amoureux. On avait été se promener partout sur la côte est de l'Australie. Mm-hmm. Puis ça a été une expérience vraiment révélatrice. D'ailleurs, à ce moment-là, je parlais pas du tout anglais. OK. C'est comme juste comme 1 an avant de rentrer comme agent de bord parce qu'aussitôt que je suis revenue, j'ai donné mon nom comme agent de bord. Puis c'est vraiment l'Australie qui m'a permis de pouvoir apprendre mon anglais. Puis c'est quand même un petit peu drôle parce que, tu sais, c'est sûr qu'on apprend notre anglais comme avec des piqueurs de cerises, là. Donc, c'est pas très professionnel comme anglais. C'est plus des amis. Puis, mais l'expérience était vraiment super, là. Puis ça m'a beaucoup fait grandir. Ah. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la formation d'agent de bord? Tu sais, pour toi, t'as postulé. Ouais. C'est ça, tout le processus de sélection. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la façon de se rendre jusque dans une compagnie d'aviation, c'est parce qu'il y a une école au Québec qui permet de pouvoir... je pense que c'est niveau collégial, là, qui permet de pouvoir...
tu sais, comme avoir une bonne idée de ce que ça pourrait être, le métier d'agent de bord, mais il faut savoir que cette école-là permet pas d'entrer dans une compagnie aérienne. Il faut quand même que tu fasses une formation avant. Maintenant. Exact. Puis malheureusement, pour les gens qui font cette formation-là, c'est que ça ne te donne pas non plus d'avantage de l'avoir faite. On ne va pas choisir plus ces gens-là plutôt que quelqu'un d'autre pour aller dans une compagnie. Donc, c'est ça. Il y a ça qui existe comme formation, mais qui, selon moi, est peut-être moins avantageux. Sinon, comment ça fonctionne? Chacune des compagnies aériennes ont de différents avions. Donc, tous les agents de bord sont formés différemment. Les agents de bord, exemple, je vais nommer des noms, là. Air Canada vont être formés pour leurs avions. Okay. Après ça, Air Transat, WestJet, tout ça vont être formés pour chacun de leurs avions parce qu'on a des compagnies aériennes qui sont des avions plutôt qui sont différents. Okay. Puis, durant la formation, parce que dans le fond, il y a un processus d'embauche. Donc, je vais commencer par ça. Là, au début, c'est un appel téléphonique. Donc, puis c'est le fun parce que c'est vraiment des agents de bord qui s'occupent de l'embauche. Okay. Fait que dans le fond, eux, ils se disent, je me verrais-tu travailler avec cette personne-là? Mm-hmm. Fait que là, ils vont te poser des questions beaucoup plus sur ton niveau d'intégration, ton ouverture aux autres, si t'es quelqu'un qui est capable de bien gérer des situations de crise, de répondre aux exigences de sécurité qui sont quand même assez élevées. Mm-hmm. Te voir travailler avec plein de types de cultures différentes. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est vraiment plus à savoir si c'est une personne qui répond à ces critères-là. Puis aussi, il va y avoir une entrevue en anglais au téléphone. Okay. Ça, c'est comme le deuxième stade. Une fois qu'on a passé ces deux entrevues-là, bien là, c'est en personne, donc au bureau chef pour lequel tu donnes ton nom. Puis souvent, il va y avoir, on est mêlé plusieurs personnes ensemble, puis là, il y a une situation qui nous met, puis il faut pouvoir régler le problème ensemble, savoir communiquer. Tu sais, ils veulent mettre ça, vraiment... c'est sans formation nécessairement. C'est vraiment avant de faire la formation. Exact. Après. Ils veulent savoir, avant d'être engagé, comment tu réagirais dans une situation d'urgence, mettons. Puis après toi, c'était ça... quoi, mettons, ta situation? Qu'est-ce que t'as fait? Je me rappelle plus c'était quoi la situation exacte, mais tu sais, je sais qu'on est peut-être 2 sur 8 qui avaient été gardés. Ah, OK. Parce qu'il y a tellement des caractères forts, puis souvent, eux, ils vont pas nécessairement y aller vers ces gens-là parce qu'au contraire, ils veulent que tu sois capable de communiquer, d'écouter l'autre personne qui parle, tu sais, d'apporter tes propres solutions. Donc, si tu ressors du lot, puis... T'sais, eux, dans une situation d'urgence, ils veulent pas non plus avoir 8 chefs puis un Indien. Fait que je me rappelle plus exactement c'était quoi la situation, mais ça a bien fonctionné. À ce moment-là, j'ai été sélectionnée. Puis là, tu rencontres 2 agents de bord en personne, ils te mettent de côté, ils te font essayer des uniformes. Ça, ce processus-là, on parle de peut-être 3-4 semaines là, avant de vraiment avoir ta réponse « oui, t'es dans l'équipe ». Donc, une fois que tu as eu ton oui d'embauche, que tu as essayé tes uniformes, il y a un test médical qui est passé. Puis, si tu réponds aux correspondances médicales, après ça, la formation commence. OK. Fait que c'est une formation d'environ 5 à 6 semaines, temps plein, payé au bureau chef. Puis là, c'est vraiment... Moi, ça m'a tellement surpris parce que la formation est que en lien avec la sécurité à bord. Okay. On sait pas, le premier jour qu'on arrive dans l'avion, on sait pas ça va être quoi le menu, qu'est-ce qu'on sert, l'ordre du jour dans l'avion, on commence par quoi, on est plus ou moins informé. Là, vraiment, c'est ce boulot, on est plus laissé à nous-mêmes. C'est vraiment, vraiment, ils veulent te préparer à une situation d'urgence dès ton premier vol, dans le fond. Okay. Fait que t'apprends un peu sur le tas, là, pour savoir c'est quoi tes tâches. Oui, 100% dans chaque pour, corps de travail. Là. Finalement, pour ce que je fais à tous les jours, tu l'apprends comme ta première journée de travail. Puis à la fin de la formation, bon, série d'examens sur tous les avions, sur comment justement, s'il y avait un médical à bord, tout ça. Puis à la fin de la formation, on a un FAM Flight, qu'on appelle, qui est un test de vol, mais un petit peu spécial parce que là, on fait des décollages, des atterrissages vraiment rapides, savoir si t'as le mal de l'air. Est-ce que toi, t'as vécu, t'as eu des genres de sensations physiques? À ce moment-là, moi, ça a super bien été, mais tu sais, j'avais souvent pris l'avion, mais il y a des filles avec moi ou des gars que c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion, tu sais. Eux, ils se sont dit, moi, c'est ça, je vais faire, tu sais. Puis il y en a qui ont eu le mal de l'air par surprise parce que, tu sais, les décollages, ils étaient vraiment plus...
c'est plus intense qu'à la normale, mais ces gens-là sont encore avec nous aujourd'hui, puis ça va super bien, là. ils se sont adaptés, mettons? Ou... Oui, oui, puis tu sais, même si, mettons, quelqu'un aurait été malade pendant le Femme Flight, ça fait pas en sorte de lui que ça sera pas okay. un bon agent de bord, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Fait qu'après genre ça, moi, si j'étais agent de bord. T'aurais-tu le mal de l'air? Ouais. Ah ouais. Ouais? Moi, quand un décollage, là, ça... C'est vrai? Parlez-moi pas. tu sers ton mal. mais pas parce que j'ai peur, mais j'ai mal au cœur. Ah, comme ouais. l'effet de, d'être... Puis, mettons, le mal des transports, tu l'as-tu ou oui, non? Oui, OK, ouais. OK. Ouais, fait que souvent, les gens, c'est tous les transports oui, confondus, c'est là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je demandais les agents de bord qui avaient le mal. Ben, honnêtement, autres, ils... on s'habitue vraiment parce que souvent, les gens me disent hey, « je sais pas comment tu fais pour faire ça pendant, mettons, parce qu'on a des vols, c'est 11 heures de temps, là. Nos plus longs vols à nous, c'est... À retour d'Athènes vers Montréal, c'est des fois c'est 11 heures là, tu sais. Okay. Puis des fois les gens ils me demandaient comment tu fais pour faire ça pendant 11 heures, mais nous c'est comme si un moment on est dans un magasin ou comme un restaurant, j'ai vraiment pas l'impression que je suis à 36 000 pieds dans les airs, là. Vraiment vraiment pas, je le ressens pas du tout. À la descente, j'ai toujours un petit peu de la difficulté avec mes oreilles, mais tu sais le corps vraiment quand il est debout puis il est activé, c'est pas la même chose là. Quand je prends l'avion comme passagère c'est puis je suis assise, mon dieu que je trouve ça plus long puis ouais, c'est ça. J'ai moins de tolérance là. T'sais. Ouais. Puis t'as des tâches à faire aussi là, quand t'es en travail, c'est sûr que le temps passe vite quand t'es occupé à faire quelque ça chose. Ça passe puis, vraiment plus vite. Là. Puis en parlant de ça, c'est quoi, mettons, qu'est-ce nos que tâches tu dans une dois journée? Faire pendant n'importe quel vol? Mettons. Ben exemple, ma journée de travail régulière, il faut dire qu'il y a comme vraiment deux différentes façons de voir la journée parce qu'on a toujours une partie des agents de bord qui est en réserve, qu'on appelle, puis des agents de bord qui ont un bloc, qui est un horaire, qui savent déjà leur vol d'avance. Moi, ça fait juste depuis, même si ça fait 4 ans, là, ça fait juste depuis juin que j'ai un bloc. OK. J'étais payée à temps plein, c'est un temps plein 100% aussi, même si je suis sur appel. Mais à ce moment-là, je savais jamais quel genre de vol j'allais avoir, puis ils pouvaient m'appeler jusqu'à 3 heures avant le vol pour aller faire la journée ou partir pendant... je savais pas si j'allais partir pendant une journée ou si j'allais partir pendant 7 jours. Fait qu'il faut que tout le temps ton uniforme soit prêt. puis ta valise. Ta valise aussi soit prête. Puis autant pour des températures comme aller dans le sud que tu vas en Europe, là, c'est différent. Mais c'est ça, je vais sûrement avoir ce côté-là plus vers l'hiver parce que le besoin, les effectifs, c'est ça qu'ils demandent pour les plus juniors. Mais là, en ce moment, cet été, il y a beaucoup de gens qui ont été engagés en dessous de moi. Donc là, j'avais la possibilité d'avoir un horaire. Là. Puis, dans le fond, quand tu étais sur réserve, c'est que tu es toujours sur appel. Oui, exactement. T'as aucun vol de planifié. Non, aucun. Fait mettons, dans ton horaire, nous, on reçoit nos horaires par mois. Donc, dans ton horaire de 30 jours, je savais que j'allais être, exemple, 16 jours en réserve. Je savais lesquels ce serait. La réserve, c'est pas un 24 heures, c'est un 12 heures. Donc, tu peux soit pendant la nuit, si tu veux, ou pendant le jour. Puis, c'est ça, à ce moment-là, tu reçois un appel, puis on a besoin de toi pour tel vol, tu peux pas refuser, c'est ça ta job, là. Okay. C'est comme médecin sur appel, là. Faut que tu y ailles, tu sais, là. Puis, à ce moment-là, c'est sûr que ça c'était un petit peu différent, fallait que je me planifie plus d'avance. Mais tu sais, une journée, Dominique, que tu me demandais, relative, normale, je vais me préparer, tu sais, j'emmène toutes mes choses, là, je me rends vers l'aéroport. Tu sais, moi, je suis quand même à, mettons, 1h20 d'aéroport. On doit arriver la majorité du temps, 1h30 avant le départ du vol. Donc là, on va se diriger vers la porte où est-ce que les passagers embarquent également. Je vais passer d'abord la sécurité. Chaque fois, je passe la sécurité. C'est pas la sécurité passager. C'est une sécurité qui est vraiment pour le personnel de l'aviation. Par contre, c'est quand même vérifié. Là. C'est juste que le processus est un petit peu moins long. Ouais, t'attends moins longtemps. Exactement. C'est ça, t'attends moins longtemps. Puis là, une fois que je suis rendue à ma porte, quand c'est l'heure, on va se rencontrer les pilotes puis les agents de bord qui vont opérer le vol ensemble. OK. Ça, c'est vraiment une partie que moi, j'aime parce que là, tu vas rencontrer ton équipage. Puis, c'est jamais arrivé que j'ai volé avec tous les mêmes membres de l'équipage deux fois. Là. C'est toujours différent. Tu sais, je pense que les agents de bord avec qui j'ai le plus souvent volé, on a peut-être volé 4 fois ensemble. OK. Ah, oh, ouais. Ouais. Parce que, tu sais, dans la compagnie où est-ce que je suis, tu sais, on est peut-être... On est plusieurs agents de bord. Là. Je pourrais pas vous dire exactement combien, mais ça fait en sorte qu'on vole jamais avec les mêmes personnes, vraiment. Puis ça, c'est intéressant parce que je trouve que ça fait toujours des nouveaux collègues de travail, tu fais des nouvelles connaissances. Souvent, c'est des gens qui ont les mêmes passions, les mêmes valeurs que toi. Donc, ça crée des discussions vraiment
vraiment intéressante. Puis le fait justement qu'on part en pairing, qu'on appelle, quand on est à destination puis qu'on dort là-bas pendant un certain nombre de temps, c'est comme si tu deviens vraiment proche avec une personne puis sans vraiment savoir si tu vas la revoir un jour. Ouais, c'est fou. Fait que tu peux alors comme... vous travaillez pour la même compagnie. Oui. Puis que vous faites le même travail. Oui, mais tu sais, on se dit, même si j'y confie quelque chose que j'ai vécu personnel, cette personne-là, elle n'a aucun intérêt à le raconter à quelqu'un d'autre. Qu'on a... puis tu t'en écoutes. Ou... Fait que ça crée toujours des super beaux liens. Puis là, c'est ça. À ce moment-là, on se rencontre toutes, on se présente. Il va toujours y avoir une partie où est-ce que les pilotes commencent à nous dire un petit peu les détails du vol. Donc, les conditions aériennes, justement, turbulence, pas turbulence, la météo à destination, à quelle hauteur on va voler exactement. Et puis, tout ce qu'ils voient un petit peu sur les cartes que nous, on n'a pas accès pour nous mettre au courant. Mm-hmm. Ensuite de ça... Mais toi, est-ce que ça te dit quelque chose quand ils te parlent de ça? Ou 100%. T'es comme... Non. Tu sais, s'ils le disent, c'est parce qu'il y a vraiment un intérêt, là. Okay. Tu sais, nous, c'est toujours les mêmes informations, à moins qu'il y ait quelque chose de différent. Mais oui, 100%, on est quand même dans le langage de l'aviation. Okay. On est quand même... au courant. Ouais, au courant, c'est ça, c'est quoi. Puis après ça, ben une fois qu'on a posé nos questions, si on en avait, parce qu'ils sont vraiment ouverts... ils vont même nous proposer des questions, des mises en situation qui pourraient y arriver, des situations d'urgence. Okay. Puis comment, qu'est-ce que ce message-là voudrait dire? Si le pilote nous envoie ce message-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? S'il parle sur l'intercom, le PA qu'on appelle, puis qu'il dit ça, c'est quoi nos prochaines tâches? Ça veut dire quoi? T'sais, c'est comme un peu des codes pour pas nécessairement que tous les passagers comprennent au même moment. Attention! The plane is broken. On a perdu un aile. Oui, c'est ça, exact. Puis après ça, c'est les directrices de vol. Donc, c'est une personne dans le groupe qui a un... J'aime pas ça dire un statut. C'est pas ça, là, tu sais. Ils sont égalitaires à nous. Mais ils dirigent, en fait. Ils dirigent le vol. C'est eux qui mettent la cadence du vol. Donc, c'est... Mais eux, est-ce que c'est un poste de directeur c'est de vol? C'est un poste spécialisé. Okay. Puis eux, ils peuvent pas... Bien, ils peuvent être agents de bord parfois si on en a besoin. Mais d'emblée, à chaque fois qu'ils volent, c'est eux le directeur de vol. Est-ce que c'est eux qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'aventure? Pas nécessairement, non, parce que dans le fond, moi, je pourrais être directrice de vol aussi, là, même si ça fait juste 4 ans. Il y en a qui c'est même, il y en a qui sont un petit peu plus juniors à moi qui sont directeurs de vol. Okay. C'est juste que vu que c'est une quantité moindre qu'on a besoin d'agents de bord, actuellement, c'est pas avantageux pour nous de le faire, les juniors, parce qu'on est encore sur appel, puis on n'a pas nécessairement le choix de nos vols, puis tout ça. Fait que moi, je préférais pas l'être personnellement. Okay. Mais cette personne-là, pendant le brefage qu'on appelle, elle va nous demander des questions vraiment spécifiques à l'avion, à la sécurité, à la communication, mettons, justement, médical à bord, s'il y avait quelque chose. Puis chaque personne dans l'équipage doit répondre à une question qui est posée. Ça, c'est avant chaque vol. Avant chaque vol. OK. Fait que vous êtes vraiment comme préparé au vol. Oui, puis chaque mois, c'est des questions différentes. Faut que tu te prépares à tes vols. Puis si tu réponds pas comme il faut à la question, c'est pas super. Dans le sens où est-ce qu'on va t'en poser une autre, puis on s'attend à ce que tu répondes bien, parce qu'après 3 fois, tu pourrais ne pas être fit to fly. Donc, tu pourrais... pas aller travailler cette journée-là, dans le fond. T'en retournes chez toi. C'est quelle sorte de questions qui te posent? Quel genre de question ça pourrait être? Qu'est-ce qu'on fait en cas de passager perturbateur? Après ça, plus au niveau du service, pas du service, mais plus au niveau de la sécurité reliée au poste de pilotage. S'il y a un médical, s'il y a un feu à bord, c'est quoi exactement notre protocole? Il faut vraiment le savoir sur le bout des doigts. Fait que c'est des questions reliées à ça. Ouais. Puis est-ce qu'il faut que tu révises un petit peu avant chaque vol, ou c'est des trucs que tu sais parce que... Mais honnêtement, notre livre d'agent de bord qui est immense, là, tu sais, je vais vous expliquer tantôt la formation d'agent de bord. Annuellement, on a une requalification chaque année. Là. On doit passer dans un simulateur qui est un vrai avion, mais au sol, qui a des situations d'urgence. Là, tout se passe dans cette journée-là. C'est la journée la plus stressante. Là. Ça doit. Le feu dans le four, les bébés s'étouffent, il y a des terroristes, mais comme tout sur le même vol. Là. C'est le pire vol de ta vie. Là, puis ça fait en sorte que chaque année, on a étudié vraiment pour pouvoir faire ce métier-là. Fait que ça nous met toujours à jour. On est tout le temps, on est toujours prête à voler. Par contre, les questions qu'ils nous posent chaque mois, c'est plus spécifique. Puis moi, perso, j'ai revise à chaque fois que je vole. C'est moi qui crée les... mettons, parce qu'ils nous laissent juste les questions, il faut les trouver nous-mêmes, comme un devoir. Fait que là, je les envoie à mes amis
proche de moi, okay. Tu sais, mais moi, si j'y fais pas, j'y retiens pas, fait que je le fais, puis quand que j'arrive avant mon vol, mais tu sais, je le mets là dans mon écran de téléphone, puis tu sais, quand je conduis, mm-hmm. je regarde un petit peu. Dans l'autobus des employés, je révise, mm-hmm. mais tu sais, c'est pas une grosse affaire, mais c'est important de le savoir, mm-hmm. tu sais. Ça, une fois que c'est fini, ben on fait nos sécurités dans l'avion. Donc, on s'assure que rien qui a été laissé à bord, on vérifie les sièges, on prépare notre avion avant que les passagers embarquent. Puis, une fois que tout est fini, thumbs up, on envoie ça en avant, on signe une feuille, puis là, on va être prête à faire l'embarquement. Okay. Puis, t'es payé seulement une fois que les portes sont fermées, c'est ça? Ouais, exactement. C'est fou pareil, parce que vous avez tellement de préparation avant. Genre, justement, préparer l'avion, faire le ménage. Des fois, j'imagine que c'est peut-être pas vous qui... C'est pas nous qui fait le ménage au sol. Okay. Autant quand on est à Montréal ou qu'on est ailleurs, à destination, okay, il y a toujours des équipes qui font le ménage. Mais on a quand même beaucoup de choses à préparer pour le vol avant que les passagers arrivent. Que ce serait recevoir tout le catering qu'on appelle, qui est toutes les choses qu'on a besoin pour la nourriture à bord, mm-hmm. Préparer tout ce qui est à l'entour de où est-ce que je m'assois, vérifier les toilettes, que tout soit mm-hmm. sécuritaire, tout ça. Donc oui, là, même, c'est vraiment, ça, c'est un sujet qui est très, très actuellement diversifié, oui, parce que, puis qui demande énormément de... les opinions des gens sont tellement différentes d'une compagnie à l'autre, comme d'un agent de bord à un autre, et puis... Il y a des pétitions, là, en ce moment? Absolument, j'ai beaucoup, parce que... En fait, aux États-Unis, ça fonctionne pas comme ça. Okay. Puis, on va être honnête, là, c'est rare qu'une job, tu es comme 3h30, 4h à pas être payé mm-hmm, avant de mm-hmm, commencer. Là. On est presque les seuls. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais le salaire à l'heure, il compense, tu sais, parce que tu sais, je suis très ouverte avec vous. Là, on commence avec un salaire, je pense, de 28 ou, tu sais, okay. ce qui est quand même un salaire mm-hmm. correct pour mm-hmm. commencer. Mm-hmm. Mais tous les heures de bénévolat oui. qu'on fait, mm. tu sais, avant vraiment mm. qu'on soit payé, c'est quand même impressionnant. Là, ouais, c'est les petits milieu. Vols. Oui. Demande, j'imagine, presque autant de préparation. Il faut quand même que tu arrives 1h30 d'avance, oui. même si c'est un vol moins long qu'un vol de 11h, par exemple. Ce qui est un petit peu différent, c'est que c'est automatiquement 4h payées, même si c'est un vol, exemple, de te rendre à Toronto, qui prend pas beaucoup de temps. Okay. Fait que finalement, ça n'en vaut quasiment la peine parce que si on fait un Miami aller-retour dans la même journée, on est juste payé comme 6-7 heures, mais tu sais, on est parti de chez nous... 10, 11 oui, heures de ça. Temps, là, 12 mm-hmm. heures, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est vraiment partagé parce que c'est contre ça qu'on se bat actuellement, puis c'est pas la compagnie pour laquelle je travaille. Toutes mm-hmm. les compagnies aériennes actuellement mm-hmm. Au Québec, c'est la même chose, mm-hmm. là. Puis c'est ça, c'est aux États-Unis, ailleurs, c'est différent. Il y a certaines compagnies au Canada qui ont commencé à l'instaurer, puis c'est vers ça qu'on aimerait se diriger éventuellement, sauf que c'est beaucoup qui de... Qui commence à vous rémunérer dès... Dès qu'on on arrive à l'aéroport, comme quand tu mets les pieds dans ton... Dans ton milieu de travail, oui, ouais. exactement, c'est ça. On te le souhaite, tranquillement. Oui, exact. Puis c'est ça, tu sais, pour terminer, ben la journée, quand les passagers arrivent, on fait l'embarquement, on vérifie tous les bagages. Une fois qu'on est prêt à partir, on décolle. Si c'est un vol dans le sud, on fait l'aller-retour dans la même journée, donc on reste à destination peut-être 1h30, okay. puis on revient à notre base initiale. Puis si c'est un vol en Europe, on est automatiquement logé à destination au moins... Okay. 24 heures, là, ça peut aller vraiment plus longtemps aussi. Okay. Là, c'est quoi le plus long qui t'a été? Moi, c'est 96 heures à destination, mais c'est vraiment une chance. Là. C'est parce que justement, j'ai vraiment été chanceuse. C'est un don d'un agent de bord là, okay. qui m'avait donné ça parce qu'il aimait mieux être chez lui pendant l'été à ce moment-là okay. précisément. Donc, c'était en don, donc j'ai pu le prendre. Mais sinon... habituellement, là, à ma seniorité, 24-48 heures à destination de repos, c'est vraiment ce qu'on okay. a. Okay. Là, ça, mais ce qui est le fun avec l'horaire, c'est que tu peux aller piger des dons des fois, une fois de temps en temps, puis finalement, te faire un super bel horaire parce qu'il y en a qui ont le goût d'être avec leurs enfants. Ou veux pas, ça fait en sorte qu'on n'est vraiment pas souvent chez non, nous. Ça là. Doit, c'est ouais, cool. exact. Fait que, c'est sûr qu'il y en a que j'imagine qu'après 30 ans, t'as le goût d'être un peu à maison. Là, quand t'as une famille, puis tout ça aussi. Là, vraiment, ouais, exact. Puis c'est à quelle
destination que tu étais quand tu es restée pour ton 96 heures? OK. Oui, au Venise, mais okay. C'était super cool parce que, tu sais, nous, nos conjoints, ils ont les mêmes avantages que nous. Okay. Donc, j'avais apporté mon conjoint parce qu'il restait de la place sur le vol. Puis, on n'avait même pas logé à l'hôtel parce que la compagnie, ils sont dans l'obligation de nous fournir un hôtel pour dormir à destination. Donc, on n'avait même pas resté là. On a loué une voiture puis on est allé faire du hiking dans les Dolomites. Fait que, ouais, c'est vraiment dernièrement plus là, mais... Oui, c'est ça, j'avais vu ça. Ah, mais c'est... On prend une pause pour la Minute Podziz, un de nos commanditaires officiels de la saison 1 de J'ai mon voyage. Et, en fait, aujourd'hui, on voulait vous parler de l'entraînement avec les Podziz, qu'on trouve que c'est vraiment super parce qu'on vous en a déjà parlé, mais le confort puis le maintien à l'oreille des écouteurs Podziz est vraiment à un, là, honnêtement. Et moi, je les ai utilisés l'année passée pour courir mon demi-marathon, puis je les ai adorés parce que je pouvais changer de chanson facilement sans avoir à sortir mon téléphone cellulaire, faire pause, retourner dans une chanson en arrière. C'était confortable aussi, tu sais. Ouais. Des fois, quand tu portes un écouteur longtemps, t'as comme mal à l'oreille. Eux, ils étaient, en tout cas, c'est ce que tu m'avais dit, ils étaient super confortables. Ouais. Puis aussi, ce que j'aime des podis, c'est qu'on n'entend pas, quand t'es à côté de la personne qui les porte, on n'entend pas la musique. Tu sais, des fois, des écouteurs, t'es assis à côté de quelqu'un puis t'entends super bien sa musique avec les podis, je trouve qu'on n'a pas ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est génial. Oui, puis tu sais, moi, j'y utilise aussi pour au gym parce que j'aime ça avoir ma bulle quand je vais au gym. Puis, en tout cas, je les trouve géniales. Donc, allez vous procurer une paire de podis pour toutes vos activités, là, dont l'entraînement, sur le site podis.com avec le code promo J'ai mon voyage 10 pour un 10% de rabais. Mais est-ce que, tu sais, des fois, c'est 24 heures, est-ce que tu trouves que c'est assez... Pour visiter? Oui, pour visiter un peu ou... Ce qui est bien, c'est que, mettons, vu que je vais y aller plusieurs fois dans l'été, parce que ça, les pairings en Europe, c'est vraiment plus de mai à octobre, je dirais, pour de la seniorité comme moi. Tu sais, plus t'es senior, plus tu vas en faire durant l'hiver, mais tu sais, à ma seniorité, c'est plus durant l'été. Puis, même si, mettons, j'y vais une fois au mois de juin, comme moi, ma destination coup de cœur avec ma compagnie, c'est vraiment Amsterdam. J'adore aller là. Mais c'est très difficile à voir, fait que je ne l'ai pas souvent. Puis là, tu sais, exemple, je vais y aller deux fois dans mon été, mais la première fois, je vais visiter un certain type de choses où je vais aller, tu sais, à un endroit en particulier. Je sais que quand je vais y retourner, je vais faire autre chose, tu sais. Fait que même si c'est juste 24 heures, moi, personnellement, je trouve que ça donne le temps quand même d'aller prendre un café sur une terrasse. C'est cool, là. Ouais, juste de visiter, là, un peu la ville. Ouais, exactement. Puis tu te dis, ben est-ce que j'ai pas eu le temps de boire? Clairement, t'as pas le temps de tout voir, mais tu le fais une autre fois. Puis ça fait que chaque fois que je pars, j'ai tout le temps l'impression que c'est une nouvelle affaire que je vais faire. Puis le décalage horaire, comment que ça se passe? Ben moi, là, je suis vraiment chanceuse. Ça va super bien, mais c'est vraiment pas comme ça pour tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui doivent prendre des médicaments pour pouvoir dormir à destination parce qu'il faut que t'aies un bon sommeil pour être en forme pour voler. Puis... moi, ce qui m'aide, c'est que je suis une dormeuse de base, tu sais. Fait que moi, je dis à mon corps, là, c'est le temps de dormir, je vais être n'importe où, n'importe quelle heure, je vais m'endormir, tu sais. Fait que pour ça, ça fonctionne bien, tu sais. J'ai jamais eu à prendre la médication. C'est sûr que mes retours de vol, ça prend des gens qui sont quand même facilement capables de faire des longues journées de travail parce que, tu sais, des fois, je vais avoir volé, comme quand j'étais en réserve. Bon, je tombe en réserve à minuit. Il m'appelle à 3 heures du matin pour un vol qui part à 6 heures le matin. Fait que là, je fais toute ma journée aller-retour. Je reviens chez nous 7-8 heures le soir. Mais là, 7-8 heures le soir, tu sais, on a le goût de faire quelque chose. Là, t'sais. Fait que la même chose comme quand je reviens d'Europe. Moi, je me suis levée à l'heure du Québec. Quand j'étais en Europe, il était peut-être 3 heures du matin ici. Là, je fais toute ma journée. J'arrive, j'atterris à Montréal, il est 5 heures. Puis là, on a un party samedi soir. Là, t'sais. Fait que j'ai goût d'aller voir mes amis. Des fois, dans mon corps, il est comme rendu 7 heures le matin. T'sais, ça fait comme... Ça fait plus de 24 heures que tu n'as pas dormi. La majorité des fois que je reviens d'Europe, ça fait toujours plus de 24 heures que j'ai pas dormi. Mais c'est une belle petite adrénaline qui... Puis on a toujours automatiquement 24 heures de repos après un vol. Fait que, ça permet de recharger les batteries. C'est sûr que l'été, quand on les additionne en consécutif, là, je parlais à une de mes amies en m'emmenant tout à l'heure, c'était son 12e Europe, là, juste en des 24 heures de repos en chaque, là, le décalage commence à se faire ressentir. Parce que même si tu as 24 heures, tu vas pas dormir nécessairement sur le même fuseau horaire. Exact, t'essayes, mais c'est pas toujours facile. Là, c'est ça. Faut être bon dans un petit power nap. T'es capable de dormir partout comme toi. Ouais, exact, c'est ça. Puis tantôt, tu disais que cet été, depuis juin, t'avais un bloc. Ouais. Ça ressemblait à quoi ton bloc? Dans le fond, moi, j'aime mieux
tu peux un petit peu demander tes préférences. Plus tu gagnes d'ancienneté, plus tes préférences vont être respectées là, dans l'ordinateur. C'est un ordinateur qui fait nos horaires. Donc, tu as toujours un... Je ne vais pas me tromper sur le nombre de jours de congé, mais tu sais, au bout du mois, ça fait quand même en sorte qu'on travaille moins que quelqu'un qui ferait un lundi ou vendredi de 9 à 5. Là, okay. En frais d'heure. Là. Mm-hmm. Puis, ce qui est vraiment bien... Les heures, quand vous êtes arrivé là-bas, sont pas comptables. Oui, en plus, c'est ça. Oui. Mais tu sais, en même temps, tu sais, des fois, je prends mon apéro spritz puis je me dis, si c'était comptabilisé, là, ça serait un petit peu trop. Mais non, c'est ça. Comme exactement, je vous dirais, ça change d'un mois à l'autre. Mais là, moi, ce que j'ai essayé de privilégier durant l'été, c'est de partir le plus longtemps possible parce que c'est ça qui est payant aussi quand on est à destination. Mm-hmm. Parce que quand on vole de nuit, on a une prime de nuit. Okay. Puis on a un per diem, comme, mettons, un gars de la construction qui mm-hmm. s'éloignerait de chez lui. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pas un gros montant à l'heure. Mais tout le 24 heures qu'on est là, on a un petit quelque chose. Okay. Juste assez pour... Et eux, ils font pour qu'on paie... notre nourriture là-bas, okay. Mais tu sais, moi, honnêtement, un croissant, un café sur le bord de la rue. À 5 $ ça va, là. C'est parfait, là, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de privilégier de partir plus longtemps. Puis ça fait en sorte que j'ai pas fait aucune destination soleil cet été. T'sais. C'était okay. juste toujours de l'Europe. Okay. Puis 24 à 48 heures majoritairement, mais tu sais, j'ai réussi à avoir des 72 mm-hmm. et tout ça. Fait que ça, c'est cool, mais c'était vraiment une belle chance, là. Ben oui, vraiment. Puis est-ce que tu visites avec les gens? Est-ce que, tu sais, si tu pars puis t'as 96 heures là, ouais. là-bas, est-ce que c'est toutes les gens qui sont sur le vol avec toi qui ont aussi 96 heures? Des fois oui, des fois non. Okay. Tu sais, comme là, mon dernier vol... on était très, très séparés. Mes deux pilotes, ils restaient juste 24 heures. Moi, je restais 48 heures avec une autre personne. Puis après ça, je m'en allais à Amsterdam parce que je suis atterrie à Toulouse d'abord. Okay. Puis là, j'ai pris une autre compagnie aérienne en passagère pour me rendre à Amsterdam. Ça, okay. c'est des fois des choses qui nous font faire, tu sais. Puis on était juste deux. Puis le reste de l'équipage, ils prenaient une okay. autre compagnie aérienne puis ils opéraient une autre destination pour le retour vers okay. Montréal. Puis okay. toi, ils te... ben, paye un vol, par exemple, jusqu'à Amsterdam parce que ton vol de retour pour revenir au Québec. Ouais, moi, dans le fond, je dois opérer Amsterdam-Montréal okay. cette journée-là. Fait okay. qu'il faut qu'ils me rendent à Amsterdam, okay. peu importe la façon qu'ils okay. me rendent. C'est des journées que j'aime parce que là, je prends l'avion en tant que passagère, j'ai mm-hmm. pas mon uniforme. Mm-hmm. Tu sais, c'est, je sais pas, c'est des moments où est-ce que je suis vraiment comme dans ma bulle, j'écris, j'écoute de la okay. musique. Tu sais, t'es quand même toute seule à l'autre bout du monde. Est-ce que t'analyses les autres agents de bord quand tu voyages en tant que passagère? Ah, tu dis dans les autres ben, les autres compagnies ou ben, même dans la tienne, oui. peu importe. Oui, je me dis, Kim, normal, on est donc bien familial puis souriante. Non, mais c'est vrai, tu sais, honnêtement, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je trouve qu'on donne un service beaucoup plus personnalisé. Des fois, je trouve que c'est, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, là, mais il y en a que ça paraît comme dans tous les domaines qui sont tannés de faire ça. Là. Mais il semble que ce job-là, faut vraiment pas que ça paraisse. Ouais, ouais, ouais. Fait que oui, c'est sûr, j'analyse un peu, mais tu sais... Mm. En même temps, je me dis, si la fille est capable de gonfler, ben de ouvrir sa porte puis que la glisser à gonfle puis qu'on puisse survivre à un amirissage sur l'eau, c'est correct. Là, si elle me sert pas un sourire avec mon sandwich, là, mettons. Ouais. Là. Ouais. C'est bien correct. Tu parles, ben le français, clairement. Oui, ouais. Mais tu parles aussi anglais, mais est-ce que tu as appris comme d'autres langues en volant? En volant, non, parce que je trouve qu'on n'est jamais assez longtemps dans une immersion à destination pour pouvoir développer d'autres... tu sais, on a toujours des language qualified qui vont être pour certaines destinations où est-ce qu'on sait qu'on transporte plus de gens qui sont locaux. C'est comme la Grèce, le Portugal. Sur notre avion, on a toujours un agent de bord qui... parle portugais ou qui parle grec okay. pour pouvoir... toujours, ouais, quand okay. c'est possible. Non, mais en fait, toujours quand on est longtemps à destination okay. ou est-ce que c'est des gros avions puis qu'on sait qu'on va devoir avoir des conversations avec les passagers puis il y en a qui se débrouillent pas, des passagers ni anglais ni français, mais tu sais, pour pouvoir faire cette destination-là, il faut qu'on puisse offrir un service quand même aux passagers. Fait que s'il y a personne qui est capable de converser avec eux, ça peut être... tu sais, ouais. j'ai beaucoup utilisé le langage des signes, là, mais à un moment donné, ça fait limité, le tour. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça t'est arrivé à un moment donné pas pouvoir 100%, parler avec mais oui, un passager. Puis tu sais, des fois, quand les seules fois où ça arrivait que j'avais pas de language qualified, on faisait tout notre possible pour essayer de comprendre la personne, ou puis on finit toujours par se comprendre. Mm-hmm, ouais. Moi, à la limite, je trouve ça drôle, là, des fois on rit, puis c'est juste drôle, tu sais. Ouais. Mais non, tu sais, c'est sûr que moi, en voyageant en backpack, après ça, j'ai commencé à étudier un peu l'espagnol, puis après ça, tu sais, j'aime ça
avoir des petits mots dans chacune des places où est-ce que je vais rester longtemps, mm-hmm. tu sais, pour au moins moi pouvoir me débrouiller. Mais dans le cadre du travail anglais-français, pourquoi je suis qualifiée, en fait. Là. Mm-hmm. OK. Puis tantôt, on a parlé un peu de... Ben, avant que le vol parte, ouais. c'était quoi tes tâches, comment vous préparez un vol et tout ça. Ouais. Mais là, un coup qu'on a décollé, là. Ouais. C'est quoi tes tâches? C'est vraiment associé au service. Donc, on commence avec... on sert les écouteurs, trousse confort, des choses comme mm-hmm. ça. Ensuite de ça, dépendamment à quel moment de la journée on part, mais ça va être souvent à l'heure du repas. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de la galée, qui est la cuisine en arrière ou en avant, qui va préparer les repas. Puis nous, on se prépare à préparer nos chariots, tout ça, monter les bars. Après ça, on est dans l'allée un bon une heure et demie, dépendant de la grosseur de l'avion. T'sais. On offre les services, on répond aux call light, là, les gens ont toujours un bouton. T'sais, on rassure les passagers, évidemment, parce que t'sais, y a vraiment des passagers que ça les angoisse voler. Puis ça fait partie de nos tâches. Là, t'sais, honnêtement, je pense que j'en ai presque une à chaque vol que je suis capable d'identifier qui se sent pas bien. Okay. Puis crise de panique, crise d'angoisse. Si justement, il y a quelqu'un qui se sent pas bien à bord, on a tout l'équipement nécessaire. Que ça, même en tant que passagère, je trouve ça quand même réconfortant de savoir ça. C'est rassurant de savoir que tu peux avoir les services même mais à, je sais pas combien de minutes. Qu'on a un défibrillateur, qu'on a une trousse de premiers soins vraiment équipée. Puis est-ce que tu sais comment l'utiliser? Oui, absolument. Dans le fond, nous, on est formés pour utiliser le défibrillateur. Il y a certaines choses dans notre trousse médicale qu'on peut utiliser, mais c'est très restreint. Okay. Donc, si on avait... Puis ça arrive honnêtement régulièrement là, qu'on a des médicales à bord. Puis la première chose qu'on fait, c'est qu'on demande s'il y a un médecin ou un infirmière à bord. OK. T'sais, donc, si cette personne-là est là pour nous assister, ça change toute la donne. Puis on est en contact, ça s'appelle Medling. C'est comme un médecin des airs. C'est quelqu'un qui est à terre, mais qui sert vraiment juste à nous dire, bon, selon signes et symptômes de la personne, qu'est-ce que ça pourrait être, tout ça. C'est vraiment des vrais médecins, mais avec qui on est en communication par le cockpit là, pour pouvoir décrire la situation de la personne. Okay. Souvent, ça va bien, puis ça finit par tout s'arranger. Malheureusement, des fois, quelquefois, il faut atterrir à l'aéroport la plus proche. Ouais, exactement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est jamais arrivé d'atterrir dans un aéroport d'urgence parce qu'on avait un passager. Mais ça m'est déjà arrivé que ça soit le temps qu'on arrive à Montréal. Puis que quand, une fois que j'ai atterri, c'est les paramédics en ambulance qui sont venus chercher la personne. Pour quelle raison? C'était des passagers... Je pense que c'est retour de Porto, deux ados qui étaient allés chercher leur mère qui était en voyage. Puis, j'ai jamais su si la passagère, elle avait omis de prendre des assurances voyage. Donc, ils voulaient vraiment la ramener à Montréal, mais ils auraient dû la traiter à Porto. Okay. Puis, ils l'ont comme cachée tout le long de l'embarquement. Tu sais, ils ont comme dit qu'elle avait un problème avec ses jambes. Donc, elle est arrivée en chaise roulante, mais ça arrive tellement souvent, tu sais. Ouais. Là, on n'a pas trop porté d'attention. Tu sais, ils voulaient pas comme trop la montrer. Tout était correct. Elle s'est assise. Tu sais, elle était un peu endormie, mais personne n'avait vraiment... Il essayait de nous cacher qu'elle filait pas bien. Puis là... Pour un vol de quoi, 6 heures? Là? Ouais, 7 heures, tu sais, au moins. Là. Fait que là, pendant le service, la personne qui s'occupait de cette section-là a mentionné qu'elle trouvait que cette femme-là n'allait vraiment pas bien. Mais ses enfants nous ont dit « Non, c'est correct, elle mangera pas, tu sais... » elle est fatiguée, puis tout ça. C'est quasiment de la négligence criminelle. Elle avait les yeux fermés, mais elle dormait, là, tu sais. Okay. Mais là, le problème, c'est que quand on est atterri, elle a tenté de se relever de son siège, puis elle était juste incapable. Là. Elle avait aucune force. Puis là, on s'est comme dit, mais y a-t-il quelqu'un qui nous a mis au courant que cette madame-là, elle n'allait pas bien? Puis là, ses enfants, ils se sont mis à pleurer vraiment beaucoup, mais tu sais, comme plus... vieux ado, là, genre 19, là, tu sais, mettons. Puis, il était très, très angoissé, puis il était comme, on voulait juste la ramener à Montréal, elle va vraiment pas bien, on a vu un médecin à destination, mais ils nous ont dit qu'elle serait capable de prendre l'avion pour le retour, puis, tu sais, comme finalement, elle était vraiment pas apte à voler, surtout qu'on sait que, tu sais, voyager à 36 000 pieds dans les airs, l'oxygène, ça fait quand même un impact sur le corps, là, quand tu te sens pas bien. Tu te sens vraiment pas bien quand t'es en vol. Là, parce que, tu sais, on dirait que les symptômes sont accentués. Ouais, là, puis même nous, en tant qu'agents de bord, ils nous disent toujours, si vous avez moindrement qu'un symptôme que vous sentez que vous êtes pas tout à fait... Tu sais, une fois que t'es embarqué puis que la porte est fermée, faut que tu le fasses ton vol. Là, ouais, donc, puis si tes symptômes s'accentuent dans les airs, faut que tu sois...
tu te gères là, quand t'es agent de bord. Il n'y en a pas un autre que tu peux appeler. Rendu là, non. Exactement. T'sais, on respecte toujours aussi le minimum d'équipage à bord, par exemple. Là, fait que ça, c'est au moins s'il y avait quelque chose, on peut se baquer. Mais pour les passagers, c'est ça, cette fois-là, la femme, on était arrivée à Montréal, puis on a dû. Elle pouvait même pas marcher pour se rendre à la gate. Fait que là, c'est les ambulances qui sont venues la chercher. Mais cet été, j'ai avoir eu. 6-7 médicales là, à bord pendant mes vols. Là, puis médical, c'est vraiment une situation qui arrive. Faut qu'on sorte la trousse de premier soin. Okay. Ça peut être n'importe quoi. J'ai jamais eu d'allergie, mais j'ai déjà eu une jeune fille qui avait pris vraiment beaucoup trop de médicaments avant de rentrer dans l'avion. Après ça, j'ai eu. Ça, c'est mon moment cocasse. Là. Je vais vous raconter ça. Ça se raconte, c'est vraiment trop drôle, mais. Je vous le raconte maintenant. Oui, vas-y. Oui. Okay. C'est le moment. Dans le fond, c'est que moi, une de mes destinations où est-ce que je préfère les passagers, là, c'est Haïti. C'est vraiment des gens qui sont attachants. Ils sont vraiment super gentils. Puis ils sont reconnaissants de tout ce qu'on leur donne. Tu leur donnes un Coke, puis ils sont. J'ai le droit à ça. Puis tu sais, on porte des attentions supplémentaires à l'embarquement parce que malheureusement, la majorité des gens sont illettrés, savent pas nécessairement où regarder pour s'asseoir, puis tout ça. Mais c'est aussi, puis c'est vraiment pas un jugement, là, faut être là pour le croire, c'est aussi une clientèle qui ne barre pas sa porte pour aller à la salle de bain. Donc là, j'étais avec un de mes collègues de travail qui malheureusement est plus dans la compagnie aujourd'hui, mais moi j'aime ça les médicales parce que j'aime ça aider les gens, fait que quand il y a quelqu'un qui va pas bien, puis ça on le sait tout de suite dans un équipage, des fois il y en a même qui vont dire moi s'il y a des médicales je me sens moins à l'aise, puis c'est correct là. Ça fait pas deux des moins bons agents de bord, c'est juste qu'il y en a qui sont plus à l'aise à intervenir en situation de tu sais plus médicinale si tu veux, toi t'en fais partie. Moi j'aime ça aider, ouais. Fait que là la madame, la pauvre madame, elle avait des gros mal de ventre, puis moi à ce moment-là, je m'occupais de la cuisine à l'arrière, fait que souvent les gens quand ils se sentent pas bien, ils vont se diriger à des endroits que personne peut les voir, tu sais, quand ils... Donc là elle s'en vient vers moi à l'arrière, puis elle me dit qu'elle va vraiment pas bien, qu'elle a mal au ventre, puis elle se prend le ventre, puis là elle va pas bien, puis là je lui donne un verre d'eau, je commence à mettre mes gants, tu sais, je veux pas comme je m'attends peut-être qu'elle va avoir une baisse de pression, tu sais, ça arrive régulièrement. Fait que là finalement j'ai un de mes collègues qui s'en vient vers moi et dit c'est correct, et à ce moment-là la madame a une chute de pression, donc elle tombe sur ses genoux, puis elle tombe à terre dans la cuisine. Fait que là j'ai eu le temps de mettre mes mains en dessous de sa tête, on la descend tranquillement. Elle avait quand même un fort poids, fait qu'à deux, on était quand même, tu sais, pas suffisamment là, pour la retenir. Là. Donc là, tout de suite, mon collègue, il a eu vraiment un bon instinct. Il a levé ses jambes pour faire circuler la circulation sanguine jusqu'à sa tête. Puis là, elle était comme dos à moi. Puis là, je disais, madame, m'entendez-vous? Puis tu sais, j'essayais de la faire réagir. J'avais mes mains en dessous de ses épaules, tu sais, je la faisais réagir. Puis là, elle avait les yeux fermés. Puis à un moment donné, elle ouvre ses yeux comme ça. Comme, est-ce que vous savez c'est qui Whoopi Goldberg, l'actrice? Non. OK, en tout cas, comme cette actrice-là, là, qui est vraiment super, là, super expressive. Allô, c'est Dieu. Puis là, elle me dit, apportez-moi à la toilette maintenant. Là, je dis, OK, parfait. Fait que là, moi puis mon amie, on l'apporte à la toilette. Puis là, je barre pas sa porte, évidemment. Puis là, je l'entends qui fait des bruits. Puis là, je la laisse aller. Mais là, ça fait comme 3-4 minutes, puis... J'entends plus rien, là. Puis là, je suis comme, hey, j'espère qu'elle n'est pas tombée dans les pommes ou qu'il n'est pas arrivé quelque chose. Que les culottes baissées, puis tout. T'sais. Ben oui. Sa toilette. Puis ça, honnêtement, ça arrive tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, le nombre de fois que j'ai vu quelque chose que je ne l'ai pas bon parce que j'ouvre la porte parce qu'elle ne s'est pas barrée, puis finalement, la personne m'arrive à la main, tu sais. Oh non. Fait que là, finalement, ben, je finis par cogner une autre fois, puis là, elle m'ouvre pas. Fait que je me dis, j'ai ouvert parce que, tu sais, ça peut être dangereux. Fait que là, j'ouvre la porte et elle me hurle. J'ai pas fini ma selle! Là, je referme la porte et je suis comme, oh my god! Elle est bien en vie! Elle est bien en vie, exactement! Fait que là, elle finit par sortir, mais je vous le jure, elle sort comme si elle avait 20 ans. Elle sort, elle vient même pas me voir dans la cuisine, elle s'en retourne à son siège. Comme si rien n'était. Fait que là, je vais la voir, je dis, madame, vous devez venir vous asseoir avec moi, là. Vous êtes tombée dans les pommes tout à l'heure, tu sais. Est-ce que vous êtes sûre que vous êtes correct? Avez-vous des antécédents médicaux, tout ça, tu sais?
Elle dit « Non, non, j'étais juste constipée, j'avais vraiment mal au ventre. » OK, bon, ben parfait, bonne journée. Je savais pas que les constipations, ça faisait perdre connaissance. Ben honnêtement, ça devait faire extrêmement longtemps qu'elle était pas allée aux toilettes. Puis peut-être justement la pression atmosphérique, le stress. T'sais, souvent, les personnes âgées, c'est encore plus stressant pour eux de voyager. Elle a voyagé seule. C'est juste, d'après moi, le corps qui a relâché toutes les émotions qu'il avait retenues. À ce moment-là, il l'a relâché, c'est le cas. Elle voulait pas que tu le vois. Non, exactement. Donc, elle m'avait hurlé, mais je pense que tous mes collègues de travail l'ont entendu. On est éclatés de rire en cuisine. C'était trop drôle, tu sais. C'est clair. Oh, ouais. Mais, tu sais, honnêtement, c'est une parmi tant d'autres, mais c'est pas nécessairement à moi, mais à mes collègues de travail aussi, puis ma tante, quand ça fait 32 ans que tu fais ça, là, il t'en arrive tellement des affaires, là, tu sais. Puis c'est le fun, parce que les directeurs de vol, justement, que ça fait longtemps qu'ils font ça. Ce week-end, j'avais un directeur de vol qui me racontait des anecdotes, puis j'en venais même pas, là, comme tout qu'est-ce qui peut se passer à bord d'un avion, parce que en fait, souvent, c'est ça, les gens sont stressés, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vivent. Des fois, ils voyagent parce que ils s'en vont rejoindre la famille ou, tu sais, ils s'en vont enterrer un corps à destination ou, tu sais, ils partent de Montréal puis ils veulent vraiment pas partir de Montréal, tu sais. Eux, ils étaient bien ici, tu sais. On a eu aussi comment qu'on appelle ça, des réfugiés de guerre, tu sais, Haïti, justement, que j'adore aller, mais en ce moment, la violence politique, c'est incroyable. Nous, on a un plan d'évacuation quand on arrive à destination. Okay. Au cas où on ait un mécanique sur l'avion puis qu'on puisse pas repartir, on peut pas dormir à Haïti, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait en sorte que n'importe quelle situation peut arriver à bord, là, quand, quand tu fermes la porte de l'avion. Est-ce que c'est vraiment une question en lien avec un vol que j'ai vécu dernièrement, là, mais j'avais l'impression que sur le vol où j'étais, il y avait un prisonnier. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. Mais tu sais, mais on les appelle en civil, puis tu sais, les agents étaient aussi habillés en civil. Exactement. On les appelle des... Ben, en fait, on les appelle des prisonniers. Je sais pas si ils sont automatiquement en prison, mais c'est des criminels, tu sais. Okay. Ils sont toujours accompagnés par un agent de la paix. Ils vont rentrer avant dans l'avion, puis le plus souvent possible pour pas que les autres passagers s'en rendent compte. Mais tu sais, il y a une évaluation qui est faite dans le sens que, est-ce que cette personne-là, elle est apte à voler? Okay. Souvent, ça peut être aussi des choses mineures, comme, mettons, ton passeport, t'arrives à destination, puis il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ton passeport. Ben pour eux, ça rentre dans le code criminel. Okay. Fait que tu retournes avec un agent, mettons. Oui, exactement. Ça veut pas dire que c'est parce qu'il est arrivé de quoi à destination. Assure-toi que ton passeport soit fait pour ton prochain oui, c'est ça. Sinon, tu te fais accompagner. Mais non, majoritairement, ça va super bien. Puis même nous, on s'en rend plus ou moins compte. La seule restriction qu'on a, c'est qu'on peut pas leur servir de l'alcool. Vous savez pas d'avance? On le sait une fois qu'on arrive dans l'avion. OK. Ben, ça fait partie de notre brefage du rapport de vol. Okay. Là, on va savoir, on a-tu des animaux à bord, on a-tu des gens qui ont des soins médicaux spécifiques, on a-tu des UM, des mineurs qui sont non accompagnés, puis on va-tu avoir aussi des prisonniers à bord, là? On ça arrive souvent ou? Non. Okay. Pas tant souvent c'est pas que ça. Des prisonniers, genre des grands criminels. Ça je peux pas te mentionner si ça pourrait vraiment être un grand criminel. C'est sûr qu'il y en a qui ils sont accompagnés d'un agent de la paix, vraiment d'un vrai policier ou d'un vrai... Compétent. Compétent pour ça, exactement. Moi, il semblait le prisonnier que je suspecte qui était sur mon vol, il était vraiment assis... près de la fenêtre. Près de la fenêtre. Ouais, c'est ça, c'est une obligation. Il y avait un agent à côté, puis un autre en avant de lui. Ouais. Puis ils ont été les premiers à sortir de l'avion. Je sais pas s'il passe à sécurité dans ce temps-là, mais lui, il semblait être comme partir dans une voiture de police. Ouais, directement. Imagine qu'il a son petit bagage puis tout à passer. Je pense qu'il s'arrange pour qu'il y ait le moins d'interactions possible avec les agents au sol. Mais oui, c'est offert à bord des services qu'on transporte des passagers normal. C'est fou, hein? C'est fou. Puis moi, je me demandais pourquoi tu voyages. Merci, Léna. La prochaine fois, cette question-là, on la pose. Oui. Fait que non, ça peut arriver parfois, mais tu sais, c'est... Honnêtement, il y a des choses que je peux pas vous dire dans l'avion, mais on est vraiment équipé que s'il arrivait quelque chose... Mais mettons, parlant de ça, ça t'est déjà arrivé d'avoir eu peur ou d'être dans cette situation? Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur par rapport à une bonne turbulence qu'on a eue, qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas vu sur les cartes, ce qui est très rare, là, parce que on le sait à 90 % du temps à quoi le vol va ressembler au niveau de la turbulence. Là, on avait soupçonné une turbulence à un endroit à peu près dans le vol. Puis finalement, on était en plein service avec les chariots montés, avec le café-thé sur le...
sur le chariot. Okay. Puis c'est à ce moment-là qu'on a eu la turbulence. Puis encore une fois, c'est vers Haïti, c'est drôle, on dirait que... Mais tu sais, genre, c'est genre 4 par année, mais c'est comme son quelque chose quand j'en mets, là, tu sais. Puis je vais toujours me rappeler, les gens, ils avaient leur chapelet dans leur cou, puis leur Bible, puis ils priaient de même. Okay. Parce qu'on a vraiment peut-être descendu de... au moins 500 pieds, tu sais. Ouais. Puis d'un coup, tu sais, puis là... Avec les chariots. Oui, fait que le café puis le jus d'orange dans le plafond partout de l'avion, tu sais, là, puis ça peut être dangereux à ce moment-là. Ouais, mais tu sais, je vous le dis, j'aime ça le dire, cette histoire-là, parce que je me dis, c'est le fun en tant que passager à savoir, parce que honnêtement, ça m'est arrivé une fois en 4 ans, puis je prends l'avion 5-6 fois par semaine, tu sais. Mm-hmm. Aller-retour, je la prends, tu sais, dans une journée, je peux la prendre 2 fois, fait que tu sais, c'est vraiment... Parce que ça arrive pas souvent. Dans le fond, normalement, les turbulences sont prévues, sont vues à l'avance. Donc, on les contourne. OK. OK. Tu sais, si on sait que, comme là, mon dernier vol, j'ai passé dans l'ouragan Lee, elle était rendue sur la côte. Là. Mm-hmm. Fait que quand on arrivait à Montréal, on passait dedans, tu sais. Mais okay. Là, justement, on est passé un peu à côté parce qu'on savait que si on passait dans le chemin qui nous prend le moins de temps à se rendre, mais on allait trop passer dedans. Puis c'est comme, là, vous allez juste avoir trop de turbulences pour rien. Fait que, tu sais, quand on est capable de les voir d'avance, on les évite. Puis si on n'a pas le choix de passer dedans, si c'est trop dangereux, c'est sûr qu'on se rendra pas là-bas, là, tu sais. Ils passeront pas par là. Tu sais, des fois, comme on est à un retour d'Europe, puis là, ils nous disent « turbulences sévères annoncées », mais tu sais, finalement, ils nous disent 2h45 avant mettons, avant l'atterrissage à Montréal. Puis là, en vol, ils nous rappellent, les pilotes, puis finalement, ils nous font passer par telle place. Fait que on n'aura pas de turbulence. T'sais. Fait que c'est... Moi, j'en ai toujours eu de la légère à la moyenne, sauf cette fois-là, où est-ce que... Il a fallu, en fait, comme c'est ça qui s'est fini, là, est-ce que ça... il a fallu que je m'accroche après la jambe d'un passager. Puis c'est ce qu'ils nous disent de faire. Parce que t'es tombé à temps? Oui, exactement. Okay. Moi, mes genoux, ils ont plié, puis je me suis ramassée vraiment à terre, là, avec le... Ouais, le si coup, t'es pas attaché. C'est pour ça qu'on dit aussi aux passagers, puis des fois, les gens, ils pensent que c'est une blague, mais comme, même en vol, si t'es à ton siège, puis que la consigne des ceintures de sécurité est pas allumée, mais que tu pourrais t'attacher, attache-toi, parce que, tu sais, des enfants, on le sait pas, là, mais tu sais, moi, clairement, si j'avais eu des enfants pas attachés sur ce vol-là, il y aurait pu se passer des choses... beaucoup plus grave que qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, justement, là, c'est ce qu'ils nous enseignent dans nos cours, c'est que si tu peux pas te sécuriser toi-même, tu pourras pas venir en aide à aucun passager. Fait que tu demandes à un passager qui est assis de te tenir. Okay. Moi, je m'étais accrochée après la jambe d'un passager. J'avais dit, tenez-moi! Puis, finalement, il y avait juste eu ce moment-là. Après ça, on a eu le temps d'aller serrer les chariots. Mais c'est quand tu sais que là, tu peux te relever puis que c'est correct? Là. Ben, tu le sens. Tu le sens à un moment donné. À ce moment-là, il avait tout de suite allumé les ceintures de sécurité, puis la directrice de vol avait fait un message d'urgence, de turbulence, de vraiment rester assis, blablabla. Okay. Puis à un moment donné, tu sais, ça commence à plus bouger. Quand le personnel, quand les pilotes enlèvent la ceinture de sécurité, on peut recommencer à circuler, puis là, on fait le tour des dommages que ça l'a fait. Mais heureusement, personne ne s'était blessé, fait que c'était parfait. Là, OK. Puis on pourra parler peut-être sur le Patreon de comment, dans ce genre de situation-là, tu rassures les gens. Oui, ben oui, certainement. Ça, ouais. Ouais, c'est une très bonne. Ouais, oui, parce que oui, il faut le faire. Puis aussi, si tu sais, s'il y a d'autres situations de peur qui t'est arrivée, mais autres que genre l'avion, mettons, en tant que tel. Oui, plus les passagers, tout ça. Là. Très bonne idée. Tantôt, tu disais que ta ville préférée, ta destination, c'était Amsterdam. Oui, est-ce que c'est ton vol préféré? Les gens sont vraiment beaux et gentils, là, mais pas juste beaux comme il y a des beaux gars, c'est pas ça du tout. Là. Les gens sont beaux, tu sais, ils sont fins, sont respectueux, sont gentils. Tu vois que moi, j'ai une belle connexion avec ces personnes-là, tu sais, avec ces passagers-là. C'est ma destination préférée que nous, on fait, mais c'est pas ma destination préférée dans le monde. Là. C'est juste parce que, tu sais, nous, c'est dans les destinations qu'on fait, c'est celle-là que je préfère. Je me sens comme si c'était toujours l'automne à Amsterdam. Tu sais, il fait toujours un peu frais. C'est confort. Ouais, t'es chai. Tu sais, les outfits sont le fun. Les gens sont gentils. Tu sais, je pourrais m'asseoir sur un banc de parc à regarder le monde pendant comme des heures. Tu sais, c'est pour ça que j'aime ça. Mais sinon, mon vol avec les passagers les plus gentils, je te dirais que. Toulouse sont vraiment fins. Il y a beaucoup de gens qui font
la grande marche, là, que j'ai juste Compostelle? Oui, le chemin de Compostelle. Mm-hmm. Il y en a vraiment beaucoup de marcheurs qui vont sur nos vols de Toulouse. Okay. Donc, moi, je trouve ça le fun de partager avec eux. C'est des gens, d'habitude, qui sont super connectés spirituellement mm-hmm. puis qui ont fait des voyages intérieurs vraiment profonds. Fait que quand j'ai le temps, je m'en vais les voir. Tu sais, comme l'autre jour, justement, j'avais une madame, j'ai dit, faites-vous le chemin de Compostelle? Elle a dit, ma petite fille, depuis j'ai l'âge de 30 ans que je rêve de faire ça. J'ai, après le service, je m'en viens vous voir, là. Je veux tout que vous me racontez, là, tu sais. Parce que pendant ton service, t'as pas le temps nécessairement de parler. Ben, c'est parce qu'on est tout le temps en team. Ça, c'est vraiment cool de la job parce qu'on travaille toujours en équipe. Fait qu'imaginez-vous au secondaire pendant les travaux d'équipe, là. C'est ça, mais 100% du temps. Tu sais, moi, j'aime ça, travailler en équipe, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, on part avec les chariots. Le chariot de nourriture, exemple, qui suit avec le chariot de boisson. Mais, tu sais, si toi, tu t'arrêtes pour jaser, ben, c'est sûr que ça retarde tout le monde, là. Fait que, c'est pas l'idéal. Tu peux prendre le temps un petit peu, mais, tu sais, c'est pas là que tu vas compter ta vie ou raconter. Ouais, ouais. Ouais, qu'est-ce que t'aimes le plus de ton travail puis de tes tâches? Je pense que c'est les témoignages des gens. Okay. Vraiment, là, tu sais, puis aussi sentir, pas que tu fais une petite différence, parce que, tu sais, on ne pensera pas que ça reste poulet et végétarien, là. C'est la job comme telle, c'est simple, tu sais. Mm-hmm. Quand il n'arrive rien de spécial à bord, c'est super facile, moi, je trouve, comme job, tu sais, puis c'est super enrichissant. Mais c'est plus, justement, les conversations qu'on va avoir, les connexions avec les gens. Tu sais, j'avais, justement, une femme sur un de mes vols qui s'en allait aux États-Unis pour enterrer le corps de son fils qui était... déployé en mission, mais je sais pas qu'est-ce qui avait été faire exactement là-bas, tu sais. Mais cette personne-là, tu sais, elle pleurait vraiment beaucoup. Puis là, tu es là pour l'accueillir, tu l'écoutes, mais tu sais. Puis justement, sur ce vol-là, tu peux avoir plein de gens qui vivent des choses différentes. Fait que... T'as vraiment plein de rôles, là. Ouais. Tu sais, t'es pas vrai. Juste agent de bord, là. T'es comme infirmière, travailleuse sociale. J'ai aucun de ces titres-là. Mais tu fais tout ça. Je fais mon possible. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est ça. C'est la connexion avec les gens, tu sais. Puis c'est multiculturel. Fait que moi, ça me fait beaucoup sortir de ma zone. J'adore mon pays. J'adore où est-ce que je vis, mais je me suis rendu compte que j'étais une meilleure personne quand je connaissais la réalité de toutes les... Tu sais, pas toutes, mais de plusieurs autres cultures, tu sais, que la mienne. Mm-hmm. Puis on dirait que ça te met un petit peu les valeurs à bonne place. Mm-hmm. Tu sais, quand tu sais que tu t'en vas porter des passagers... Sur un vol d'Haïti, j'avais une femme qui s'en venait à Montréal au retour parce qu'elle s'en venait faire de la chimio à Montréal. Puis, tu sais, elle, dans son pays, elle n'aurait pas pu être traitée. Okay. Fait qu'elle a comme essayé, justement, d'embarquer le plus possible sur notre vol jusqu'à la dernière minute. Puis quand elle est embarquée, elle avait beaucoup de douleurs. Puis là, j'étais comme à ma directrice de vol. On la garde-tu? Tu sais, je sais même pas si elle sera à Montréal. Mm-hmm. Puis tout, puis elle était comme, on va la rencontrer. Puis finalement, oui, il n'y avait aucun problème. Mais tu sais, elle avait tout fait pour se rendre, pour essayer de se rendre, pour avoir des soins ici, chez nous. Mais tu sais, tu te dis, tu sais, eux, ils n'ont plus d'essence en ce moment. Ils ont pas. Ah ouais, c'est comme, c'est vraiment. Mm. Mais tu sais, c'est là, c'est physique. On n'est pas comme. Oui, c'est dans un autre pays, mais moi, j'ai la chance que dans ma journée de travail, je reparque mon char dans mon parking chez nous le soir, puis je suis comme. OK. Aujourd'hui, j'ai rencontré tous ces gens-là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, quand je raconte ça à mon chum, on peut s'ouvrir une bouteille de vin puis se raconter notre journée. Puis, on est crampé, tu sais, pendant une heure. Là, toi, dans ta journée, t'es allée dans un autre pays aussi. Oui, mais c'est vrai. Quand t'es revenue, pour moi, on dirait que c'est rendu vraiment normal, mais je sais que, tu sais, c'est quand même bizarre, tu sais. L'hiver aussi, c'est cool, là, quand on va dans le sud puis qu'on ouvre les portes puis on débarque les passagers. C'est rien, là. J'ai genre un 15-20 minutes, là, mais. Juste me faire de la photo synthèse. Ça fait toute la différence, toute la vitamine D. C'est fou, pareil. Ouais. Comment, genre, tu peux penser que, là, une heure, justement, là, j'étais genre. T'es Cuba, mettons. Une heure, 4 heures, là, mettons. Ouais. Mais c'est fou. Non, puis je me sens vraiment privilégiée de faire ça pour vrai, là. Puis c'est ça qu'on parle avec d'autres agents de bord. C'est bizarre parce que vraiment, ce domaine-là, là, c'est tous des gens qui sont passionnés. Mm-hmm. Je pense que si tu fais plus ça, c'est parce que t'aimais pas ça, mais t'adores ou t'aimes pas ça. Tu sais, fait que tu feras pas ça longtemps si t'aimes pas ça. Mais honnêtement, même les seniors, des gens que ça fait des années qu'ils voyagent, il y en a qui sont un petit peu plus irrités, là, tu sais, dans la compagnie pour laquelle je travaille, mais je te dirais 90% des agents de bord, ils sont encore passionnés par leur métier après 30 ans, là, tu sais. C'est fou. Ouais. Puis vous avez des deals, j'imagine, de voyage pour voyager. Ouais. Ça ressemble à quoi? Ben dans le fond, il y a vraiment plusieurs façons de le faire. On a des partenariats avec d'autres compagnies aériennes. Donc, ça, c'est encore un petit peu nouveau pour moi. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup des agents de bord que je connais qui les utilisent parce que c'est quand même un petit peu complexe. Puis c'est des stand-by qu'on appelle. Donc, on n'est jamais sûr qu'on embarque sur le vol tant que l'avion n'est pas parti. C'est juste s'il reste à la place, t'sais. Mais
pour ce qui est des avantages avec notre propre compagnie, c'est vraiment super. Là. Surtout que nous, c'est super familial. Fait que nos parents et nos enfants ont les mêmes avantages que nous. Okay. Là, moi, dans mon cas, moi, c'est mon père qui en profite, mettons, là, tu sais. Ouais. Mais parce que, tu sais, il y a des agents de bord qui ont des enfants, mais ça prend vraiment des conjoints extraordinaires. Oui, c'est vrai. Puis sinon, ben mettons, on a droit à un buddy ou une buddy. Donc, ton conjoint, ta conjointe ou un ami, si tu décides que c'est un ami. Puis cette personne-là a les mêmes avantages que toi. Pour la compagnie pour laquelle tu travailles. Fait que moi, mon conjoint, il embarque sur mes passes. Puis même si je suis pas là... C'est quoi, mettons, les rabais que vous avez? Ben le plus cher du segment de vol que ça peut lui coûter, c'est environ 80 à 90 $. Okay. Fait que, tu sais, mettons, là, il revient d'une semaine et demie dans l'Ouest canadien. Il est venu avec moi à Venise. Pendant l'été, je l'ai apporté ailleurs. Des fois, il part vraiment sans moi pour faire de la photo ailleurs. Puis dans le fond, j'ai juste à envoyer... C'est un système de réservation, puis ça peut être jusqu'à 3 heures avant le vol. OK. Fait que même quand j'étais en réserve, j'étais appelée pour un truc vraiment nice que je m'attendais pas à partir. Je disais, hey, Chris, t'embarques-tu? OK, go, on y va. C'est lui, le sac à dos est tout le temps prêt, là, tu sais. Cette fois-là, je me rappelle plus c'était où exactement, mais tu sais, lui est tout le temps prêt à partir, là. Son passeport est dans son sac 100% du temps. Ouais, puis il peut se le permettre avec son horaire puis tout ça. Ouais, c'est fun, vraiment, ouais, absolument. Le rêve. Mais ça. On serait rendu pas mal vers la fin. Oui. Oui. Parfait. Et dans le fond, je ne l'ai pas sorti, mais on a un cadeau à t'offrir. Hein? Qui est un de nos commanditaires, dans le fond, Podiz, qui est une compagnie québécoise d'écouteurs. Qui t'offre une paire. C'est une paire gentil. Je pense que c'est dans le sac par terre. Ouais. Vous êtes fine, les filles. Ben, donc, c'est Podiz qui est vraiment... qui sont vraiment fins. Ah, c'est gentil. Voilà, wow! C'est Podiz. Merci, les girls. C'est puis, on fait toujours un this or that avec nos invités par rapport au voyage. OK. Puis, fait qu'on peut peut-être finir avec ça, puis on passera au Patreon après. Certainement. Ça te va? Ouais. OK. C'est bon. Donc, on part ça. Camping ou hôtel? Camping, 100%. T'en fais beaucoup à tes destinations? Honnêtement, là, c'est toujours des super beaux hôtels. Là. On a une convention qu'il faut que ça soit vraiment... Il y a plein de choses là. Il faut que ça soit vraiment respecté près de des attractions touristiques, blablabla. Mais moi, là, le plus simple que ça va être, c'est tout en... Dans tes voyages personnels, mettons. Ouais, c'est tout en plus sud. De toute façon, tu sais, j'ai rencontré... Le moins cher possible. D'hommes en auberge de jeunesse. Oui, c'est ça. Ouais. Dans une auberge à genre 5 piastres la nuit. Ouais, avec 25 lits en dortoir mix. Ouais, au deux Philippines. Douches. C'était génial. Ouais, c'est ça. Dans les meilleures conditions. Mais on était que des Québécois, genre, ben quasiment. Ouais, vraiment. T'sais. Puis c'est les plus beaux souvenirs. Oui, c'est parce que quand tu choisis le camping, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Moi, je trouve ça parfait. Et plage ou forêt? Forêt. Backpack ou valise? Backpack. Planifier ou improviser? Improviser, mais des fois, quand t'improvises trop, tu peux manquer une couple d'affaires, mais tu sais, je dis ça, mais j'ai jamais rien planifié. Fait que c'est vraiment improvisé, là, tu sais. Fait que tes voyages personnels sont vraiment... Improvisés, là. L'an dernier, on est parti un mois en Égypte, moi puis mon conjoint, puis on partait au Costa Rica pour 30 jours le 1er novembre, puis le 30 octobre, on a décidé finalement qu'on s'en allait en Égypte pour un mois. J'ai appelé mon père à l'aéroport, il dit « Hey, tu m'enverras des photos de la plage. » Je suis comme « Ouais, finalement, ça va être les pyramides. » Puis j'aime vraiment mieux ça. Là. Mais oui, j'adore aussi. Vélo ou surf? Ni un ni l'autre, on peut-tu dire? Vélo pour visiter, mais c'est juste un running gag parce que j'aime pas faire du vélo, tu sais. Puis surf, ça me fait tellement peur. Ah ouais, t'en as-tu déjà fait? Oui, plusieurs fois. Tu sais, j'ai vraiment tenté ma chance. En Australie, tu sais, vraiment beaucoup. Après ça, j'en ai fait à Hawaï, j'en ai refait à plein de places, mais chaque fois... Je me dis, mon Dieu, que c'était peurant. J'ai trouvé cœurant ceux qui font ça. Puis je suis pas une personne peureuse, là, vraiment pas. Puis j'aime le sport beaucoup, mais tu sais, je suis plus hiking, tu sais, yoga puis tout. Là. Moins vélo. Moins vélo ou surf. Ouais, c'est ça. Singe ou tortue? Tortue. Désert ou architecture? Désert. Resto, street food? Street food, mais les dernières expériences ont fait mal. C'était où?
Ben, tu sais, là, depuis que je suis végétarienne, street food, ça reste que c'est quand même plus de base parce que, tu sais, ce qui est le fun à essayer, c'est plein de viande sur des barbecues incroyables, tu sais, surtout en Asie. Des intestins. De poulet, comme j'avais essayé, tu sais. Mais, ouais, fait que c'est ça, mais je trouve que c'est plus typique, plus local, le street food. Plongée ou randonnée, t'as un peu répondu tantôt. Oh, ça va être difficile, parce que, ouais, j'ai fait mes premières expériences de plongée, justement, en Égypte, mais je te dirais plus habituée à la randonnée, puis j'aime vraiment ça. Mais peut-être une passion à en découvrir, là, pour la plongée. Ouais. Plage de sable blanc ou de sable noir? Blanc. Faire la fête ou lire? faire la fête. Bungee ou musée? Musée. OK. Ça m'étonne de t'entendre. Ouais, hein, je sais. Mais tu sais, je sais pas, je suis mature comme personne. Tu vas pas mettre ta vie en danger pour du bungee. Ben, je pense qu'en plus, c'est même pas tant risqué que ça. Ah, non, mais tu sais, ma vie est assez pas routinière, puis j'aime ça me mettre dans plein de situations, puis... Mais tu petite journée au musée, ça va être tranquille. Ben ouais. J'aime ça en apprendre beaucoup sur les autres cultures, fait que musée. Musée, ouais. C'est bon. Et taxi ou scooter? Scooter. T'apportes pas de savon ou pas de déo? Oh my God! Vraiment? Faut que tu fasses un choix. Pas de déo? On sent que ça me dérange, hein? Ouais. Je me laverai plus souvent. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct. Ouais. On voit t'es quel genre de personne. Ouais, tu fais ta psychanalyse. Ouais, même si je fais du camping, j'aime ça me laver la gueule. Relaxer ou explorer? Explorer. Grande ou petite ville? Petite. Et voyager avec ton partenaire ou tes amis? Oh non, pas ce choix-là. C'est difficile à nous quand on l'a mis, on était moins. Qu'est-ce que nous, on n'a pas répondu, non. Mais parce que c'était nous. Ça fait que moi, je t'ai obligée. C'est ça, je viens d'entendre parler. Partenaire. Alors, Chris, elle préfère voyager. Et Europe ou Asie? Asie. Gougoune ou souliers? Souliers. OK. Puis la dernière, c'est Hublot ou aller? Hublot. Ah, moi, si je pouvais regarder toujours les nuages, là. 100% du temps. Je pense que je fais ce métier-là à peu près 90% pour regarder le ciel. Ouais. Ah. Ouais. Fait qu'on... On continue? On continue sur Patreon pour un 15 minutes. Mais merci beaucoup d'avoir été. Ça me fait plaisir. C'est super intéressant. Quelle belle expérience. Merci.